vois que vous êtes un poney qui a des goûts de luxe. Mes amis, je vous présente Rarity. Elle loge au château de Canterlot. En tant que ville organisatrice, la délégation de Canterlot pense qu'il serait naturel que l'on nous remette des laissez-passer pour assister à toutes les présentations et à toutes les fêtes. Je me disais aussi que ça faisait très campagnard. Je t'avais pourtant bien dit que nous ne trouverions pas ce genre de choses à Canterlot. Oh. Mes recherches concernant la publicité ont toutes confirmé que les clients qui voient un poney célèbre avec une certaine tenue veulent porter cette tenue eux-mêmes. Il faut que vous veniez à l'ouverture de ma galerie d'art ce soir. Et n'oubliez pas d'assister à ma vente aux enchères demain matin. Et bien entendu, je vous ai réservé un siège à ma table pour le dîner de demain soir. Tu nous as beaucoup manqué au défilé de Coco Pommel à Jumanathan la semaine dernière. Mes lèvres en rien ont touché de la vulgaire nourriture de fête foraine. Je vais au buffet pour déguster quelques hors-d'œuvre raffinés. Je suis venu chercher le dernier ingrédient et le plus important de mon gâteau baptisé le beignet Topia. Je m'appelle Safran Masala. Je suis la chef du plaisir du palais. Je propose la cuisine la plus exotique de tout Canterlot. Vous voulez que je vous présente nos spécialités? Eh bien, par vous, il n'y a pas de clients. Je n'ai donc personne à servir. Alors, je range. Avec cette robe de la princesse, ton succès est déjà assuré. Oh! Waouh! Cette robe est entrée en résonance avec mon âme. Je peux l'essayer. Oh, c'est la robe la plus fantastique que j'ai jamais vue. Rien que la regarder illumine ma journée. Avez-vous encore des robes comme celles qu'on voit en couverture de Cosmopo Jument? Alors, des soldes? Vous avez la robe de la princesse? Cette tenue est vraiment ravissante, mais elle ne va pas du tout avec la couleur de mon poil. Il a combien de sabots, ce restaurant? Je veux que ma robe soit exactement comme celle que porte la princesse Twilight. C'est compris? Dans ce cas, non merci. Nous irons quand il aura reçu des sabots. Est-ce que les robes de la princesse sont en vente? Garçon, nous sommes prêtes à commander. La ponette qui a acheté le gâteau a piqué une crise quand elle s'est mis du glaçage au chocolat sur son écharpe. C'est le festival de théâtre du solstice d'été. Les pouliches dégourdies jouent une pièce. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai prévu une journée entière de shopping. Et si ne serait-ce qu'une vendeuse ne correspond pas à mes attentes, je te promets que ma déception s'exprimera de façon douloureuse. Je n'en sais rien, mon chéri, on dirait une pièce de théâtre. Oh, quelle robe hallucinante, Rarity. J'espère seulement que tu n'as pas l'intention de boycotter le défilé royal de Canterlot en te retirant pour l'organiser ici. Nous allons d'abord faire une répétition et les essayages ensuite. En effet, et nous pourrons commencer dès que nous serons sortis de cette boîte. J'ai un bon ami qui travaille à Bridway. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact avec lui. Nous allons essayer la visualisation et vous faites du ski. Ça, au moins, ça a l'air professionnel. Oh, ne t'inquiète pas, ma petite pouliche. Nous sommes si fiers de toi. Nous serons avec toi en esprit. Il me faut une tenue genre carrément tapis rouge et glamour. Assez confortable, bien sûr, mais qui fasse tout de même tourner les têtes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous lisez dans mon esprit. Êtes-vous une voyante de la mode? Oh, bien entendu, c'est vraiment très original et tellement en vogue. Je la veux absolument. J'aime que mes accessoires soient brillants et audacieux. Or, je ne vois rien ici qui soit suffisamment brillant et audacieux. Oh, est-ce que tu es méchante? Oui, mais là, ce n'est pas vraiment le bon moment. Et qu'est-ce que je raconte? Ce n'est jamais le bon moment. Le festival? Ah, oui. Mon papa m'y emmenait autrefois. C'est trop tard! Ah, oui. Le festival du théâtre du solstice d'été de Charity, que de merveilleux souvenirs! Nous voudrions vous dire merci pour ce festival du théâtre du solstice d'été. Il nous a beaucoup inspirés. J'ai mes propres problèmes. Vous croyez que je peux me permettre de consacrer des heures à d'autres poneys? On peut rester pour la regarder, s'il te plaît! S'il te plaît, on peut! On peut! Oh, il est charmant! Mais dis-moi, combien coûte-t-il? Évitez! Tu viens de me faire perdre une excellente cliente! Bienvenue à l'hôtel de la Belle Crinière! Permettez-moi de transporter vos bagages dans vos chambres! Ces nouvelles roues marchent comme sur des roulettes! Alors les filles, laquelle d'entre vous veut monter dans mon carrosse? Tous les poneys sont rassemblés devant le podium et prêts à commencer. Vous devez simplement aller là-bas avec vos robes, vous les déposerez en coulisses plus tard. Vous montrerez vos modèles en dernier. Nous essayons de nous conformer à un horaire précis, alors essayez d'avoir un peu plus que quelques secondes d'avance, hmm? Mais j'y pense. Quelques centimètres de ce tissu feraient parfaitement l'affaire. Oh, est-ce que ça t'ennuierait que je t'en emprunte un peu? Arrêtez! Le magasin est fermé.
Je voudrais être sûre de comprendre. Tu as vraiment, vraiment besoin de cette sacoche. Il est fin, mon pesé est léger. Et ce n'est pas de l'organdi de soie. Sans hésitation, oui. Il faut partir tout de suite si nous voulons attraper le train pour Canterlot. Et tu crois être la seule, peut-être? On va voir si tu es une fille. Est-ce que tu sais de quoi sont traditionnellement faits les vêtements? Et je serai prêt à vendre ma collection entière de mobilier miniature pour rendre ma fille heureuse. Suis-je claire? Quel est le nombre de fils du tissu de cette chemise? Vous comprenez, je ne veux pas qu'on me voie dans un tissu à moins de 1000. Ce thé est affreusement tiédasse. Il est imbuvable. Rarity, vous avez des boutiques un peu partout dans Equestria, mais c'est la première fois que vous tentiez de vous imposer dans la grande ville. C'est la boutique de mode la plus fantaisiste et tendance qu'il m'ait été donné de voir. Et j'en ai vu des tas. Vous allez vous retrouver avec deux délégués très mécontents sur les bras, à moins que la princesse Twilight ne nous trouve une salle à tous les deux sur le champ. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous connaissiez le contenu de mon discours, vous sauriez que lui aussi est très important.